Le tutoriel que vous allez voir aujourd'hui va passer en revue l'ensemble de la chaîne de production audiovisuelle dans le cadre de la réalisation de web webdocs et ce, de l'import de vos fichiers jusqu'à leur intégration dans le logiciel Clint. Vos rushs stockés sur carte SD vont devoir être importés dans un logiciel de montage de type eMovie ou Vidéopad si vous êtes sur PC. Une fois que votre montage est réalisé, il faudra l'exporter dans une qualité optimale en Full HD. 1920 par 1080. Mais avant de pouvoir intégrer votre film dans le logiciel Clint, il faudra passer par un logiciel de conversion, euh, comme Extreme Clip par exemple, pour convertir votre montage en MP4 avec une résolution, cette fois-ci, de 980 par 551. Sur le logiciel eMovie, pour importer vos fichiers, il faudra... Cliquez sur Fichier, Importer depuis la caméra. On vérifie qu'on est bien sur la bonne carte SD, donc cam SD dans mon cas, qui correspond à la carte SD de ma caméra. J'ai bien tous mes rushs qui ont été tournés. Et donc maintenant je peux cliquer sur Tout importer. Je vérifie qu'ils vont être stockés au bon endroit. Et je clique sur Importer. L'ordinateur va travailler. Et Importer, copier vos fichiers sur l'ordinateur. Une fois cette opération réalisée, il ne vous reste plus qu'à monter. Une fois votre montage réalisé, il est maintenant temps d'exporter le film. Donc pour ce faire, on va cliquer sur Partage, Exporter le film. Et là, on va choisir la meilleure qualité, donc HD 1080, qui correspond à une résolution de 1920 par 1080. Je vais nommer mon fichier. Donc en l'occurrence, je vais l'appeler Tutocam. J'ai bien choisi l'endroit où je voulais le stocker, donc pour ma part dans un dossier sur mon bureau, et je peux exporter. Donc là, l'ordinateur va encore travailler et créer mon fichier en Full HD 1920 par 1080. Il est maintenant temps de convertir ce fichier. Pour le rendre compatible avec Clint, je vais donc le faire glisser dans le logiciel MPEG Stream Clip, puis cliquer sur Fichier, exporter en MPEG 4 ou MP4, c'est exactement la même chose. Et ensuite, je vais paramétrer mon export. Donc, je ne vais pas mettre une qualité trop importante pour avoir un fichier qui soit lisible facilement sur Internet. Donc, je me contenterai moi de 60%. Je vais désentrelacer la vidéo pour qu'elle passe bien sur des écrans d'ordinateur. Et je vais ajuster ma taille. Donc cette fois-ci, je vais mettre 980 par 551, qui est une taille qui est lisible sur tout type d'écran, ordinateur, tablette et smartphone. Je choisis mon emplacement. Donc là, toujours dans mon dossier tuto workflow sur mon bureau et je sauve là l'ordinateur va encore mouliner et me créer un point mp4 il est maintenant temps d'intégrer ce fichier dans clint donc si mon projet Clint n'est pas encore créé je le crée je le nomme et très important je lui donne la bonne taille. Donc toujours 980 par 551, qui est une taille étudiée pour passer sur différents supports. Il ne me reste plus qu'à glisser mon fichier MP4 dans le chutier de Clint. Et je peux maintenant vérifier que tout fonctionne bien en faisant glisser mon fichier vidéo sur la timeline de Clint. Voilà, et je constate que mon fichier fonctionne convenablement, qu'il est à la bonne taille. J'espère que ce tutoriel vous permettra de mieux appréhender la chaîne de production audiovisuelle. Et je vous dis à bientôt.